Bien-aimé, il faut prier ce soir. Il faut prier. Il faut prier. La Bible dit dans le livre de Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est quand tu confesses que le célibat n'est plus un problème. Quand tu crois dans ton cœur que le célibat n'est plus un problème et que tu confesses, le salut, c'est que le célibat ne sera plus jamais un problème. Si tu confesses que la guérison n'est plus un problème, bien-aimé, ce que tu crois dans ton cœur, il faut proclamer cela au nom de Jésus-Christ. Si tu crois que la stérilité n'a plus d'autorité sur ta vie, c'est ce que tu crois qui s'accomplira. C'est ça qu'on appelle le salut. Et c'est ce que Romain dit. Voilà pourquoi tu dois répéter après moi. Je crois que la parole de Jésus-Christ marche pour moi. Elle affecte ma vie et mes circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je crois que la parole de Jésus-Christ marche pour moi. Elle affecte ma vie et mes circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Continue à prier sur cette parole comme je prie. Prie aussi, tu connais tes problèmes. Tu connais, Père, je crois que ta parole marche pour moi. Je crois que ta parole affecte ma vie. Je crois que ta parole affecte mes circonstances. Je crois que ta parole, je crois au nom puissant de Jésus-Christ que ta parole affecte Jésus de Nazareth, mon ministère. Que ta parole affecte, Seigneur Dieu de gloire, mon épouse. Que ta parole affecte mes neveux, mes parents, mes nièces. Oh Dieu, que ta parole affecte mes enfants spirituels. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Oui, que ta parole affecte, Seigneur Dieu de gloire, mon ministère. C'est ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qui est puissante. C'est cette parole, Seigneur Dieu de gloire, qui affecte, Seigneur Dieu de gloire, ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je confesse, Seigneur Dieu de gloire, de ma bouche, que c'est ta parole qui a effet dans ma vie, et non les paroles des démons, et non les paroles des sorciers, et non les paroles des médecins. C'est ta parole, Jésus. C'est ta parole, bien-aimé. Bien-aimé, prie. La Bible déclare qu'à vos résolutions répondra le succès. C'est ta résolution. C'est ta résolution ce soir qui déterminera, oh, la volonté de Dieu agit dans ta vie. Si tu n'es pas déterminé, Dieu n'aura pas de volonté pour toi. Si tu es déterminé, Dieu libère les grâces. Le ciel libère les grâces. Le ciel libère les grâces. Le ciel libère les grâces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kambarabashi. Alléluia.